Mango, Alessandro Rinei. And the chat will be his name, say. Après Papa Kei. And then when he left. And there was a concert of Michel Bakenda. And when we went to the hospital, the doctor said I was over, that I could not walk anymore. And we called him, he was far away. And he prayed over the phone. And then I went back to the hospital. And the doctor asked me if I visited another doctor. And I said, you know, visit any doctor. I remember after 6 months I started working because someone had told me that I would no longer be working. And through his prayer, I started working after 6 months. That's why I'm here to testify the Lord. And I'm here to present the baby. That's why I'm here to testify. Acclamons le Seigneur Jésus. Moi j'ai souvent l'habitude de dire. I always say. Oui. When I was pregnant, the doctor said to me that I would conceive in November. When I spoke to God, I said, no, I was going to La Bible dit, the Bible says, on reconnaît un prophète, we recognize a prophet, quand il dit une chose, c'est la ville n'avait pas d'eau. And the city has no water. Non, l'eau pour donner la mort. L'eau pour give birth. Et quand l'homme de Dieu est venu, when man of God came, il a dit ceci, he spoke, je viens assainir cette eau. He came to give salt into the world. La Bible déclare l'eau était assainie. The Bible says water became so pure. C'est pour dire que il faut croire aux paroles des hommes, des prophètes de Dieu. Just say that we have to believe the word of the prophet and man of God. Alléluia. Est-ce que nous avons la foi ce soir d'écouter la parole qui va nous bénir? Oh, je t'entends pas. La foi d'écouter la parole qui va nous bénir ce soir? Merci, maman. Alors quand on va dans la clave très fort le Seigneur. Alléluia. On applaudit les rois des rois. Yeah.
Pensa na minha mãe. Give me money. Pensa na minha mãe. Que
guéri les maladies infantiles. Ne trouble pas la vie de cet enfant. Cet enfant, il vaincra toute maladie. Seigneur, il est hors de la maladie. L'intelligence de la sagesse. Merci Seigneur. Nous bénissons la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. I thank you for tonight, for Tabo, for Koki, Kae, who was born here for you, Lord Jesus. This is the child of a miracle, and miracle that God has been waiting for 13 years. And God, you are going to bless. I please bless this child. I will take this child. I dedicate this child to your name. In the name of his name, Tabo. Gaël, que Dieu même qui t'a appelé dans ce monde, que ton corps, ton esprit et ton âme soient privés de tout mal. Là, celui qui t'a appelé dans ce monde est fidèle. Il va accomplir les plans merveilleux qu'il a formé pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Nous allons écouter la parole de Dieu. En deux parties. Mais nous sommes ceux qui croient que Pont-Blanc doit changer au nom de Jésus. Que ceux qui sont stériles croient qu'ils sont mis en des enfants. Que ceux qui n'ont pas de succès croient que maintenant c'est le temps du succès. Dites à haute voix, c'est le temps du succès. Dites à haute voix, c'est le temps du succès. Pour qui? For whom? Pour qui? For pour qui? For c'est comme si c'était pour vous. Pour vous. Pour qui? Pour toi. For toi qui? Pour toi qui? Moi, enfant de Dieu. Judges chapter 6. Judges chapter 6. Judges chapter 6. Et il s'assit sous le pyramide d'Ophrah, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer de Héron. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Marie. L'ange lui a parlé et lui dit, l'Éternel est avec toi. Dis comme toi, l'Éternel est avec moi. Dis-moi. Ne me trompe pas. Homme de Dieu. Vous savez,
parole l'homme de Dieu parle, speaks, il te dit ce que Dieu dit. He tells what God says. Mais l'homme n'accepte pas directement. Man does not accept directly. Peuple, people, ici vous savez que vous êtes le troisième ou le quatrième être. You know you are third or fourth being. La première, ce sont les Américains. The first being are white Americans. Les Noirs Américains qui ont étudié. Et les Noirs là-bas. Et après ça vient vous. C'est vous qui croyez ici. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit autrement. Cette femme savait. Son mari avait des cheveux blancs, il va mourir. Mais Dieu connaissait l'histoire. Il a envoyé l'homme de Dieu et il a fait que la femme ne connaisse qui est l'homme de Dieu. Dès que la femme a reconnu Dieu, dès que l'homme a reconnu Dieu, ils ont mis la parole de Dieu à la première place. Leur statut a changé. Homme de Dieu, frère, mettez Dieu en première place. Put God at the first position. Pourquoi l'argent est mis en première place? Why money is placed at the first position? Quand un homme de Dieu passe dans une ville, when il vient chercher l'argent. Pourquoi ça doit passer à la première place? L'argent n'a pas de place. C'est place. Dieu qui a la place. Ne tremblez pas devant le bien matériel. Ça n'existe pas. C'est toi qui es. Tous les biens qu'on a créés, c'était pour toi. La femme connaissait que l'homme qui venait chez elle, qui mangeait et qui sortait, il savait. Il dit à son mari, c'est toi qui viens chez nous, qui mange et qui passe tous les jours, est un homme de Dieu. Est un saint homme de Dieu. Est-ce que le pasteur qui te prêche pour toi, est-ce qu'il est un saint homme? Le pasteur qui te prêche, le pasteur qui est le berger de ta vie, tu as déjà reconnu en lui le saint homme de Dieu? Non, non, c'est celui que tu critiques tous les jours. Le mur de ta maison, on est signatique de tes critiques. Comment tu peux être béni dans cette maison? How can you be blessed in the house? Il y a toujours des malheurs dans la maison. There's always unfortunate things. Mais cette femme, but this lady, a reconnu. She loved. Et ils ont changé. And they ils ont mis l'homme de Dieu dans le confort. Dans le confort. Ils ont mis cet homme de Dieu là dans le confort. Et leur situation a changé. Mais comment ça a changé? La parole est sortie. The word came out. Cette femme qui m'a donné un lit. Cette femme qui m'a donné une maison en étage. Cette femme, moi je dors sur la route. Moi, prophète, je dors sous les arbres. Mais elle m'a mis dans le confort. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois parler de toi? Chez les autorités, ceux qui servent Dieu croient que les autorités sont du diable. Non, non, non. Dieu se sert d'eux. Il y a des mauvaises autorités, il y a des bonnes autorités. Dieu se sert d'eux. Et Dieu se sert d'eux. Je suis avec mon père. Il dit, qu'est-ce que je dois lui donner? Qu'est-ce que je dois lui donner? Aujourd'hui, quand un pays reconnaît un homme de Dieu, on commence à l'insulter, c'est un mauvais. Il y a tout ce qui se fait contre. Mais sachez que quand Dieu vous aime, même l'État peut vous aimer. Alléluia. Dieu, cette femme-là, a reconnu. Son mari a signé la maison en étage. L'homme commence à regarder, la fois qu'il vient,
fois suivante, il a venu à la maison, à manger, il savait qu'il va aller à pied. Non, à cause de ceci, quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Appelle-moi cette femme. Quand on l'a appelée, elle ouvrait la porte. Dès qu'elle ouvrait la porte, la parole est sortie. The word came out. Maman, pas d'abord, maman, ouvre cette porte. Parce qu'on doit, moi je suis un enseignant. I'm a teacher. Je viens de l'école primaire. I taught at primary school and I need to do some examples. Bon, frère, va appeler cette femme. So, call that lady. L'année prochaine. Next year. À la même date. The same day. Tu auras un enfant. You have a child. La femme n'a pas expliqué son problème. The woman didn't explain. Mais c'est un homme qui a expliqué son problème. But it was an order which came out. La parole est sortie. The word came out. La parole que tu as entendue. The word that you heard. La parole que tu entendras. The word that you will hear. Dans ce lieu. In this place. Ça deviendra chair. It will become flesh. Il y a des gens qui sont devenus des gouverneurs, des autorités, des premiers ministres dans d'autres pays par les paroles de ma bouche. Je suis allé au Gabon. Quand je suis allé au Gabon, il y avait des femmes qui venaient là où j'étais. There were women who were coming to me. Une des femmes, son mari ne voulait pas. One of the women, her husband didn't want her anymore. Mais la femme a tout fait que son mari ne voulait pas. But the woman did her best for her husband to listen to her. Je suis allé. I went there. Cet homme s'appelle Nzenge Maïla. Je dois citer le nom parce que ce n'est pas un mensonge. And that's the name of the husband. Cet homme-là. That man. Est venu avec une figure généralisée. He came with. Vous savez ce que c'est le nom de là-bas? Hein, la physique des généraux. He came with the face of a general. Avec tous les plis. With all the front faces. Et quand j'ai enseigné, when I taught, je voulais parler, I spoke, il n'avait pas souri. He didn't smile. Sa figure était toujours généralisée. His face was frowned. Ça ne s'est pas caporalisé. He did not organize. C'est resté toujours généralisé. It remained frowned. Mais moi, je ne tenais pas compte de ce qui était. But in my face. Je savais que c'était un arbre. I knew that. Quand je parle, when I was speaking, cet arbre peut sécher comme cet arbre peut verdir. Au même moment, at the same time, j'ai terminé la prédication. I finished preaching. Je lui dis, I told him, on va te nommer ministre. They will name you minister. Un mois n'est pas seulement. One month before 1 month. Mais quand on te nomme, but when they name you, appelle-moi. Call me. Je viendrai te voir. I'll come and anoint you. Comme j'ai dit, je suis rentré dans mon pays. Après 15 jours, after 15 days, il était ministre. Il a encore payé le billet. Et j'ai pris l'avion. Et je suis allé là-bas. Et cet homme-là est devenu ministre. Nzenge Maïla Philippe. Frère, tu n'es pas un étranger. You are not a stranger. Mais tu es enfant de Dieu. But you are a child of God. Tel que tu es là, as you are, Dieu a le pouvoir de parler. God has the power to speak. Et quand il parle, speak, la chose arrive. Things come to pass. Suivons notre petite parole. Let's follow our word. Et nous allons appliquer ça. And we're going to apply it. Voyez quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Someone was called him. Son père est là. C'était un Israélite. L'ensemble d'Israël a souffert. Ils font des champs. They were going ils to the font field. Des champs. They were working in the field. Mais à la récolte, c'est maintenant les ennemis qui viennent. Qui mangent. Plus de 30 à 40 ans. More than 30 years and 40 years. Donc ils travaillaient pour les gens. They were working for people. Et Gédéon savait qu'on va venir. Knew that they will come. Il allait au pressoir dans la bouche. He went in the bush. Il s'est caché. He was hiding himself. Yes. Celui qui se cache est cet héros. The one who hides himself. Un héros se cache. Is he a hero? Does a hero hide himself? Il s'est caché. He wants to hide himself. Pour que le bruit de ses sons soit pas entendu. So that the noise of his words should not be heard. Dis-moi à côté de lui. And then next to comme him. À côté de toi. As next to you. Comme à côté de toi. As next to you. À côté de lui. Next to him. L'ange se lève. The angel stood. Il regarde ce temps. He looked at the man. Cet homme est plein de crainte.
That man is full of fear. Cet homme a la peur. That man had fear. Mais l'ange lui regarde. The angel looked at him. He looked at him. Et dit, and said, vaillant héros. Strong warrior. Dieu est avec toi. God is with you. Dites un peu vaillant héros. Say, strong warrior. Toi, tu n'es pas vaillant héros. Aren't you strong warrior? Tu as peur? You are afraid. Quand tu vois la police, tu peux déjà penser que tu commences à trembler. Au lieu d'attendre que la police vienne pour me donner le prix, tu as peur. Si la police passe 5 fois chez toi, tu changes de maison. Parce que tu sais qu'il n'y a rien de bon chez toi. Mais quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a dit tout ce qu'il a fait est bon. Y compris toi. Toi, tu es excellent. Parce que Dieu est excellent. Dieu ne sait pas créer quelque chose qui n'est pas excellent. L'homme vient de Dieu. Il souffle de ses amis. Ma soeur, quel que soit le nombre de péchés commis, sache que Dieu est de Dieu. Il t'a racheté. Dites à votre voix, je suis le soir. Quelqu'un va accepter. Si tu acceptes cela aujourd'hui, ton père, le même jour, quand il a entendu, il a entendu, il a entendu, comme tu entends aujourd'hui. Oh, voici l'occasion. Tu as entendu. Est-ce que tu as entendu? Vaillant héros. Directement, l'homme se lève. Then the man goes. Il va quelque part. He went somewhere. Il est allé quelque part. He went somewhere. Il est allé quelque part. He went somewhere. Lisons un peu. Let's read. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi tu es souffrance? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de la Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. L'homme qui tremble devant les gens a une force. Va avec cette richesse que tu as. Va avec ce courage que tu as. Les gens te regardent. Ils ne voient pas ce que tu vois. Tu es à Portland. Tu pleures souvent. Tu es dans la maison. Si tu ne reçois plus le téléphone. Parce que tu sens que tu vas mourir. Tu ne regardes plus les gens dans les yeux. Tous les amis, tu ne les reçois pas. Les passés, tu ne les reçois pas au téléphone. Parce que tu prépares ta mort. Mais Dieu dit, salut ta vieillesse. Ta vieillesse est là. Dans le psaume 3, 103, Dieu dit qu'il a tout préparé pour ta vieillesse. Même quand la maladie est là, Dieu prépare la vieillesse. Alléluia. Voyons. Dieu ne tient pas compte de tes murmures. Un enfant de Dieu devient la bête. La bête m'aimait toujours. A bee always mais c'est lui qui donne du sucre. But the one who gives strength to the humanity. Tu es là pour le bonheur des autres. You are here for the goodness. Mais c'est toi qui m'aimais. But you're the one murmuring. L'Éternel se tourna vers lui. The Lord turned to him. Et lui dit, and told him, va avec la force que tu as. Et des livres de la main de Madian, Israël, n'est-ce pas moi qui t'envoie?
Mon frère, my brother, si tu es mon loup, if you're mon soyez-y, aucun chef qui vient de valoir, c'est Dieu qui a créé les hommes. God made man. Tu es Dieu. You are God. Un peuple peut être contre toi. A people can be against you. Il y a toujours une fin. There's always the end. Dieu permet cela. God allows au zéro. To the hero. Qu'il voit les autres venir les assister. Mais viens un moment. But there'll be time. Dis-toi, je suis fort. Say it loud. Je suis courageux. I'm courageous. Je suis heureux. I'm a hero. Un jour, vous étiez en train de jeûner et prier. Un frère est venu avec un témoignage. Ce frère n'avait pas beaucoup de dire. Le frère Patrice. Et dit, papa, j'ai vu, le Seigneur me dit que c'est toi qui vas finir la guerre dans mon monde. Ça a mis en 1989. Que le pape grand de l'héros. They have a
background? Quel est son background? What is the background of a hero? La famille pauvre. Maybe a poor family. La famille pauvre. A poor family. Le plus petit. Oh, the youngest. Think of what the plus petit. Say, I'm the youngest. Quand on dit le plus petit, when they say the youngest, meaning the weakest one. Le plus faible. The weakest one. Les psychologues vont dire, ça c'est un enfant. The people of the psychology will say it's a child. Pour Jérémie, il dit pas qui est connu dans notre famille. He said, oh, who's known in my family? Dans notre famille, qui a touché la vie? Qui a été célèbre? Non, c'est toi le héros. C'est toi le héros. Qui ne vous prouve même pas. C'est toi le héros. Yes! Merci. This is me. I believe. Je crois cela. Je crois. Je crois en ça. Et je continue à croire. Même dans mon don. Si je m'étais de croire encore, je crois en Jésus. Parce que c'est Jésus de gros. Je vais ressusciter au dernier jour. I will respect. Je continue à croire. Continue to believe. Amen. On disait, maintenant l'Éternel nous abandonne. Maintenant. No. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Now the Lord is abandoning us. On peut dire maintenant il est à la fin. Now it's the maintenant end. C'est fini avec now, nous. That's it. Maintenant c'est fini. Now it's finished. Maintenant, oh, regardez tout ce qui se fait. Look what's happening around. C'est maintenant. It's that now. Mais ce n'est pas toujours. But it's not forever. Il y a des choses qu'on dit. They are things that they say. Ce sont des choses temporaires. They are temporary things. Ton ennemi peut avoir la victoire. Your enemy can have a victory. Mais cette victoire est temporaire. But that victory is temporary. Ce n'est pas permanent. It's not permanent. Ne cherchez pas des choses temporaires. Don't look for temporary. Parce que ce qui est temporaire disparaît. Disappears. Cherchez ce qui est éternel. Seek for what is permanent. Ce qui est permanent. What is permanent. Si tu souffres. If you're suffering. Console-toi. Say it's not permanent. C'est temporaire. It's temporary. Je manque de ID. I lack ID. Je manque de papier vert. I don't have documents. De green card. C'est permanent. It is temporary. C'est permanent. It's temporaire. It's temporary. C'est temporaire. C'est temporaire. It's temporary. C'est temporaire. Say it's temporary. C'est pas permanent. It's not permanent. Le permanent vient. The permanent is coming. Il avait peur. It was afraid. C'était temporaire. It was temporary. Il était là derrière. C'est temporaire. C'est temporaire. Avec le temps, je vais aller en permanence pour être un héros. Ça, je dirais ça, les gars. Conseillez-moi, vous doutez d'un bon coeur. Je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Écoutez, comparez-vous à la vie. Be happy for everybody's happiness. Merci. May God bless you. Frère, Solomon ne peut pas être là. If you see next to you, if you see next to you, a miracle happening, it is a sign. Pour la vie, to tell you mon souci au sein de that something is happening to you. The miracle of John Mark's was the same problem that tomorrow is going to happen. Donc, dans ce temps, il n'avait même pas le courage de dire qu'il est un héros. Il voyait le contraire. Mais Dieu. Alléluia. Amen. Il dit Dieu est un héros. Dit en moi, je suis le Jésus. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis le fils du Dieu très haut. Je suis le fils du Dieu très haut. Je suis le fils du Dieu très haut. Je suis fort. I'm strong. I'm strong. Come on.
not weak. Je suis pas faible. I'm strong. Je suis fort. I'm not weak. Je suis pas faible. I'm strong. Je suis fort. I'm powerful. Je suis puissant. Donc, quel que soit ce que je traverse, despite what I'm going through, même mon environnement, even my environment, ne peut pas me donner un nom. Can not give me a name. Mais moi-même, but I, je me donne un nom. I'll give you my name. Je suis la tête. I am the head. Et non la tête. Not the head. Je suis la tête. I am the head. Voici l'homme entouré de problèmes. Here is a man surrounded by problems. Comme toi, ma soeur. As you today. Si on te laissait le temps de me parler. If they give you time to speak to me. Mais tu me mais si je te donne à me parler, tu vas commencer à pleurer. Parce que tu es une femme. Tu vas commencer à pleurer. Mais je te donne le nom. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis le plus petit. Je suis le plus dans notre maison. C'est moi le guimpoir de notre maison. Je suis le guimpoir. Vous connaissez guimpoir? C'est-à-dire le sang malheureux. L'Éternel lui dit, mais, Cassie, mais, je serai avec toi. Je battrai, tu battras les Madians comme un seul homme. You will win the Madianites as one man. Avec le statut que tu as. The status you have. Le Seigneur vient sur toi. La parole que Jésus est en train de prêcher, preaching, le Seigneur est en train de te révéler. Il est en train de te révéler. Le Seigneur est en train de te révéler. Il te révèle. Maintenant que tu m'écoutes, tu as tout abandonné. Je te sers de moi, comme ton ange, pour me parler. Tu es là. You are here. Tu es sur un lit. Par les problèmes. Les problèmes de toutes sortes. Les problèmes de petite taille. Les problèmes de grande taille. Les problèmes de femmes. Ça t'entoure. Mais Dieu dit, tu battras de ma chair. Comme un Seigneur. Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est toi. Je serai avec toi. Tu battras les Madians. Je te le dis.
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi, tu me parles. Ne te loge point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel lui dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu est faible pour les offrandes. Dieu est faible. God is weak pour les offrandes. For the offerings. Donc, l'homme a entendu des choses qu'il ne pouvait pas imaginer, que c'est lui qui doit sortir. Mais Dieu lui a dit, tu pouvais me donner tout. Et la parole que tu m'as donnée là, je vais te donner l'offrande. L'homme est parti. Alléluia. Il est venu. Il a déposé devant l'Éternel. Dieu dit, je resterai. Gédéon entra, préparant un chevreau et fit avec une femme, une famille, le pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et lui apporta sur le terrain et le présenta. Là, l'Éternel lui dit, prends la chair et le pain sans levain. Pose-les sur le rocher. Répands le jus. Et ainsi, là, l'Éternel avança les terminés du bâton extrémité qu'il avait à la main et toucha la chair, le pain sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu. Il consomma la chair et le pain, les reins. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Nous avons bien vu toi, bien aimé. Did God eat or not? Hein? Dieu a mangé. God ate the offering. Dieu a mangé. He ate the food. Toi, tu n'as pas du feu. Dieu est le feu de Corinth. God is the fire. Et il a mangé. He ate the food. Dieu a mangé quoi? Why did he eat? Le feu. Donc ton offrande, so your offering, Dieu va manger ça. God is going to eat it. Ne regarde pas l'homme qui reçoit. Don't look at the man who's receiving. Mais tu donnes à Dieu. But you're giving to God. Et quand Dieu prend ton offrande, ta vie change. Your life changes. C'est que Dieu a dit pour toi. What God said for you. A de la valeur. Has done. Alléluia. Et là, Dieu lui dit, là, Dieu lui dit, avant ça. Et on dit, il disparut. L'Éternel voyait que cet ange, Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, toujours à zéro, malheur à moi. Seigneur, quand je suis l'ange, ne dis pas ça passe. Mais l'ange a été préparé pour toi. Il y a des grandes choses qui viennent sur toi. Il y a des grandes choses qui viennent devant toi. Oh, recevez cette parole. Il y a des grandes choses. Il y a des faveurs qui ne sont pas. Il y a un faveur qui te demande devant toi. Il y a un faveur qui te demande devant toi. Il y a un faveur qui te demande devant toi. On peut te donner une grande somme d'argent. Je ne sais pas pour moi. Je vais monter à la police. C'est pas pour moi. Il y a des choses. Vous m'entendez? Il y a des choses que vous n'avez jamais entendues. Que vous n'avez jamais vu, que tu n'es jamais monté dans votre tête, qui vont venir. Qui vont venir vous rencontrer. Ça va venir vous rencontrer. La rencontre avec le mystère. La rencontre avec le bonheur. Le bonheur de Dieu. Goodness. Écoutez, goodness. La rencontre. The encounter. Encounter. With the goodness. The goodness. Hey, yeah, the goodness, là, ça peut être un mariage que tu n'as jamais vu. The goodness can be the unexpected wind that you never expected. Il va dire, c'est pas une intention. Non, c'est une réalité pour toi. It is God. C'est Dieu. It's God. Je n'entends pas. Amen.
C'est Dieu. C'est Dieu. L'Éternel dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Il y a des choses que tu vas voir. Tu crois que c'est la fin. C'est le début. C'est le début. Je viens bâtir là un hôtel et lui donner le nom de la paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille de Abiezer. Dans la même nuit, ça c'était l'offrande de l'équipe. Qui a donné l'offrande? C'est Gédéon lui-même. Dieu n'a pas demandé. Mais voyez ce que Dieu veut faire. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Prends les jeunes taureaux de ton père et les second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des mâles qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les second taureaux. Tu offriras à l'Holocauste avec le bois des idoles que tu as bâti. Écoutez, c'est toi qui donnes l'offrande. Parce que tu as vu les mystères. Parce que la voix est venue. Ça, c'est le vent de l'écouter. Mais après que tu deviens le héros, tu dois donner l'offrande. Qui est l'héros? Who is the hero? Après le vent de goûter, de croire que tu vas donner, il y a un autre vent de renversement. Tu dois renverser ton débit. Maintenant, tu dois ouvrir ton cœur qui était à bas. Maintenant, c'est pour Dieu. Mais là, tu vas donner un taureau. Là, ça ne sera pas un chevron. Dieu te demande plus. Dieu te demande ton cœur. Dieu te demande ta vie. Dieu te demande que tu te sacrifies toi-même. Tu vas arracher même ta source là où tu viens avec tes dieux de Jéhovah. Ça va tomber. C'est Dieu qui doit parler. Tu es prêt à ouvrir? Envoyez un taureau, il vient te demander ça la nuit. La vie d'aujourd'hui, Dieu te demande à ton taureau. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois lui donner ta vie. Tu dois lui donner ta vie. C'est toi qui dois lui donner ta vie. Arrachez tout ce qui est du diable. Terminez avec tout ce qui est du diable. Terminez avec tout ce qui est du diable. Avec tout ce qui est de la haine. De l'orgueil, pride, de mensonge, parce que le père du mensonge c'est ça. Termine avec ça. Maintenant que tu es héros, Dieu va te demander autre chose. Il faut que ton cœur soit devant lui. Dieu n'accepte pas ceux qui ont le petit Dieu. Ton cœur doit avoir un seul Dieu. L'amour de Dieu n'accepte pas le petit Dieu. Va lui demander de faire l'autel sur le haut de ses rochers. Ton cœur doit être en haut pour les choses de Dieu. Un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Tombe dans le salaire de Satan. Tombe dans le salaire de Satan. Tu as compris qu'il est héros. Who understood that he is a hero? Aujourd'hui, comme hier, as yesterday, Dieu te donne un nom. God gave you a name. Il demande. He's asking. Moi, I. Je voudrais délivrer mon père. I want to deliver my. Moïse ne veut pas délivrer ton père. Moses wanted to deliver his people. Je vais dire à ces gens. He said, I'll tell those people. Mon nom, ton nom, c'est qui? Your name, who? What? Le nom de ce Dieu là. The name of that God wants to deliver. C'est qui? C'est qui? Tu leur diras. Mon nom c'est Jésus. Paul connaissait ça. Paul a dit Jésus. Paul said, c'est I am Jésus. What I am. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. 1 Corinthiens 15:10. Sachez-le. Sachez-le. Know that.
Et puis Gédéon a compris. Understood. Il a dit quoi? He said, je suis un héros. I am a hero. Je suis. Ce sont deux mots. It's two words. Puissant. Too mighty. Magique. Au-dessus de tout. Above all. Ça absorbe le nom que tu mets à côté. It's above the name that you put aside. C'est pour cela que Dieu dit. That is why ne said, dites jamais je suis pauvre. Never say I am poor. Mais dites je suis riche. Say I am rich. Ne dites jamais je suis faible. Never say I am weak. Dites je suis fort. Say I am strong. Dites en moi je suis heureux. Say loud I am heureux. Je suis heureux. I am heureux. Je suis capable. I'm able. Je suis riche. I'm rich. Je suis guéri. I'm healed. Je ne suis pas malade. I'm not sick. Je suis fort. I am strong. Je suis faible. Je suis malheureux. I am valuable. Maman, on peut te dire que le médecin peut te diagnostiquer. Doctor can tell you that they tell you you are sick. Toi, tu vas dans la maison, you go home. Dire, you say, I am not je sick. Suis I am in good health. Tout ce que vous direz, whatever you say, sans douter, without doubt, vous le verrez à mon pas. Je croyais que tu vas prendre le Dieu. C'est toi. C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait, c'est ton bébé. Gédéon est allé au combat. Where to fight. And he killed all his enemies. It was ending. The story of his enemy ended because of the encounter de Gédéon of Gideon et and the word. Pas de la no de other la things about the word. Hallelujah. Dites à vous, say it loud, they come. Rencontre they come de Gédéon of Gideon et de la parole. And the word. De la bouche de l'homme. C'est la parole. It's the word. Je suis a hero. I am a hero. Quelle que soit la maladie, despite the sickness, tu auras un témoignage. You have testimony. Il y a une femme qui est venue me voir. There was a lady who came to see me. Elle est venue. She came. Elle a dit quoi? Cette femme est venue me voir. She came to see me. Le jour où j'étais là. The day that I came. Pour la première fois. The first time. Donc c'était vendredi. It was Friday. Vendredi. Elle me dit, papa, moi, la première fois the first time que tu es venu, that she came, je suis déclaré le verset. The day of your birthday, les gens venaient te bénir. People were coming to bless you. Moi, je suis venu. I came. J'ai donné quelque chose. I gave something. Mais tu m'as suivi. But you followed et tu m'as dit, n'aie pas peur. And you told me, do not be afraid. La parole que je lui ai dit, c'est quoi? The word that I told you was, do not peur. Be afraid. Elle avait peur dans sa vie. She was afraid her whole life. Depuis qu'elle a épousé, since she got married, elle n'a pas d'enfant. She had no child. Mais quand je lui ai dit, n'aie pas peur. When I told her, do not be pourquoi afraid. Pourquoi il m'a dit ça? She said, why did he tell you? Il a dit à Dieu, moi je viendrai témoigner quand cet homme sera là. Quand cet homme sera là. Lorsqu'elle a appris que moi je viens, elle a dit à Percy, moi je dois témoigner quand l'homme est là. Elle est venue chez moi. Elle est enceinte. Elle est enceinte de 8 mois. La même période, la même année. The same cette année, il va m'en passer et il aura un enfant. Croyez-moi, je suis devant un peuple à bâtir avec beaucoup beaten, de problèmes. Je ne peux pas venir vous prêcher n'importe quoi. Le même vous the same qui a pleuré, cry, c'est le même vous qui va glorifier. Vous qui avez pleuré, you don't have any fellowship with the radio. Come to church. It's not bad.
Mais n'oublie pas that I am a Christian.
Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je n'entends pas. Je suis chrétien. Je suis ressuscité. Je suis mort au péché. Si ta bouche s'ouvre, tu mangeras le fruit. Amen. Où est l'héros? Où est l'héros de la soirée? Où est l'héros de la soirée? Maintenant, enlève la culpabilité de ta vie.
Vous savez, il a donné sacrifice de son corps. Le sang bleu. Il y a des gens qui ont craché sur son visage. Il n'avait plus la beauté pour que toi tu deviennes beau. Pour que toi tu plaises aux gens. Sa poitrine avait eu même des lumières pour que tous les cancers du cœur, les cancers des mamelles, les cancers des seins, que tout cela soit répondu. Aujourd'hui, quelles sont les douleurs que tu caches, même dans le sang, réclame ta guérison. Retire, réclame ta guérison. Réclame ta guérison. Je ne t'entends pas. Réclame ta guérison. Confesse ta guérison. Comment tu peux réclamer? C'est simple. Jésus guéri. Dis à votre Jésus guéri. Par ce maître ici, il a porté des plaies qui nous ont guéris de nos péchés. Mon frère, le maître ici, ça dit ceci. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tous les châtiments, il a été blessé. I believe.
be accepted. I believe I accept. Enter my life. Sois-moi Seigneur. Be my Lord. Et mon Sauveur. And my Savior. Jésus. Jesus. Qui a porté mes péchés. He took my sin. Mes iniquités. My iniquities. Mes souffrances. My suffering. C'est fini. It's finished. Seigneur, j'ai la paix. Lord, I have peace. La culpabilité est partie. Guilt is gone. Jésus, pardonne-moi. And forgive. Entre dans ma vie. Enter in my life. Sois mon Seigneur. Be my Lord. Et mon Sauveur. And my Savior. Merci Seigneur. Thank you. Touche-la. Touch. Prions. Let's pray. Que prie. Let everyone pray. Ouvre la bouche. Pray. Tu es capable d'ouvrir la bouche. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Vous qui me regardez à la télévision. Priez aussi là où vous êtes. Là où vous regardez. Là où vous êtes dans votre chambre. Dans la maison. N'importe quelle maladie. C'est ta peur. Tu es généreux. Pose ta peur. Là où tu es malade. Tu me réponds. You answer me. Toi maladie. You sickness. Là où mon frère t'a touché. When my là où ma soeur t'a touché. When my sister tu as souci. You worry. On a pensé à toi. We thought of you. Ton problème. You problem. Disparaît. Disappear. Quitte le corps de mon frère. Leave the body. Quitte la vie de mon frère. Leave the maladie, je te sais souffre à la racine. I au nom de Jésus. In the name of Jesus. Aimé. Cancer. Maladie des yeux. Sickness of eyes. Cécité. Any sickness. La cécité. La surdité. Quittez le corps. Quittez l'oreille. Quittez l'oreille. Quittez la bouche. Leave the mouth. La médité. Sortez le corps des enfants. Leave the body and the children of God. Les douleurs atroces. Quittez le corps maintenant au nom de Jésus. Je t'ai apporté la douleur. Quittez le corps, la douleur de force. All the strong pain. Dans les jambes, in the feet, dans les mains, dans les bras, the hands, toute the douleur, au dos, dans le sommeil, in the dreams. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Soyez bénis. Be healed. Amen. 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 Je vais te donner un peu de applaudissement parce que Dieu a travaillé ici. I want to ask you all because God is working. Alléluia. 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 Amen. And your right ear is about to die.
I'm crying a little when the doctor told me that. When they did all the exams and they gave me a prescription, the doctor said, I give you this medication for 12 days. You will come back soon and check. There's a change. The 1st November when I went back, I spoke with my sister here, she's my witness. So, the first medication I took it on the 3rd of November when Papa came. Yesterday when he said you should touch me feeling pain, I touched my ear. When he asked us to come forward and testify, I doubted a little. But this morning when we went to church in the morning, I was telling me that close your ears, that way it's functioning well. I close the ears. I started listening a little. And then, since I got to church, I was trying to close the one that's not trying to see from hearing on the other side. I pray God.